Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation sur PvP Warcraft. Aujourd'hui, je vous présente une faction PvP shit vraiment, vraiment cool. Ils recrutent en plus, donc je vous conseille de regarder cette vidéo. Petit concours sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes bientôt 2600, ça me fait super plaisir. Le commentaire qui aura le plus de likes repartira avec 10 euros de points boutique. Donc n'hésite pas à faire commenter tes copains et à liker leurs commentaires. Très bonne vidéo à vous. Les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je suis avec la Wanted, avec Rafou et Skylbo. Bienvenue les copains. Bienvenue. Ouais, moi aussi ça me fume, putain. Bon, en tout cas, les gars, on va présenter une petite faction. Ils sont tranquillement sur PvP Warcraft. Alors déjà, la première question que tout le monde va sûrement se poser, évidemment, dans chaque vidéo de présentation, c'est est-ce que votre faction, elle recrute des joueurs? Oui, on en a besoin. N'en fais pas. Alors qu'est-ce que vous recrutez comme joueurs? Est-ce que vous recrutez des joueurs PVP, des joueurs farmer? Ah, PVP quand même. Ah, PVP. PVP. Vraiment. D'accord. Même si c'est des nouveaux joueurs et qui n'ont rien dans le serveur, vous pouvez fournir du stuff, etc. ces nouveaux joueurs? Ouais, on a du stuff. En tout cas, on fait des tests. Hein. On a vraiment fait des tests pour voir. Ok, d'accord, bah c'est sympa. Vous avez peut-être un Discord que je pourrais mettre en description? Ouais, on l'a. Ok, nickel. Bon bah du coup, au moins, si vous souhaitez être recruté par la Wanted, les amis, le Discord sera dans la description. Aujourd'hui, on va découvrir leur base, on va découvrir leur farm, on va découvrir un petit peu comment ils font leur économie, tout simplement, de leur faction. Donc là, par exemple, les gars, on est où? Vous avez voulu démarrer cette vidéo dans cet endroit. Où est-ce qu'on est actuellement? On est dans la grosse salle des coffres. D'accord, ok. Ah oui, donc pendant les givols, tout ce que vous récupérez, vous le mettez dedans, quoi. Donc là, on vient de se téléporter dans un nouvel endroit de la base de la Wanted. Donc là, Rafou, où est-ce qu'on est? On est dans la grosse farm à... Bah, grosse, moyenne farm à Golem. Ok. On a 6 stacks avec le double compte qui est FK. D'accord, ok. Et ça, ça vous rapporte combien d'argent à peu près sur Warcraft? Par heure, je me fais à peu près un B. Ah ouais, quand même, putain. Et ça va, vous êtes... je veux dire, vous comptez l'agrandir cette farm? Est-ce que vous comptez ajouter d'autres spawners? C'est trop petit, là. Oui, on peut en mettre que 3 par 3 vu qu'après il meurt pas. Ah oui, ah ouais, ça c'est sûr, après il faut l'augmenter peut-être en hauteur. Hein. Vous avez qu'une seule farm ou vous en avez d'autres? On en avait, mais on s'est fait piller, mais on va en refaire d'autres à Creeper, Blaze. Ok, d'accord, et pourquoi ces mobs sur Warcraft? Ils sont rentables? Parce qu'avec avec les morceaux de fer, on peut faire des blocs et ça se revend beaucoup plus cher. Ah putain, voilà, elle est là la stratégie, c'est ça, j'aime entendre des choses comme ça, j'aime bien, ça me fait plaisir. Ok les amis, on se téléporte dans un deuxième endroit de la faction Wanted, donc c'est une farm à Verru du Nether. Donc les gars, vous faites un peu les spawners et vous faites en même temps de l'agriculture. C'est rentable sur Warcraft l'agriculture comme ça? Ouais, mais faut avoir là au level max, sinon ça rapporte rien. Ah oui, bah c'est sûr que tu peux pas l'avoir comme ça en claquant des doigts, il faut un peu jouer sur Warcraft, mais bon. En tout cas, c'est cool que vous variez entre les spawners et l'agriculture. Au moins, déjà, vous faites jamais chier, j'ai envie de te dire, hein, sur Minecraft. Et en plus, bah, ça vous fait un peu découvrir aussi un autre monde d'économie. Vous gagnez combien avec cette farm à Verru du Nether, par exemple? Si on farm, normalement, quand on la ragrandit, ça fait à l'infini, donc on sait pas. Mais sinon, ça doit faire 100 millions, même pas. Ah ouais, juste pour ce petit morceau-là? Bah, si aussi tu fais aller-retour, oui. Ah ouais, quand même. Et juste 100 millions sur une orangée ou surtout? Surtout. Ah ouais, j'ai eu peur là, j'allais dire what? Oui. J'allais dire c'est chaud quoi. Deuxième question, quelle faction vous détestez sur PvP Warcraft? Alors, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une seule, j'en veux qu'une seule. Ah, et ben, on dit laquelle? Nesquik. Pourquoi la Nesquik? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Parce qu'ils pillent à chaque fois toutes nos bases. Bon bah les amis, en tout cas si vous avez des factions qui veulent venir détruire la Nesquik, il faut venir hein, les gars, soit c'est une faction qui fait chier la Wanted. Voilà. Vraiment. Ok les amis, je viens de me téléporter du coup en dehors de la faction Wanted. Donc regardez-moi cette longueur de défense, franchement quand je vois des bases comme ça sur des PVP factions Minecraft en France. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable les gars, vous avez pris combien de temps à faire votre base? Regardez-moi cette longueur de défense. Elle est incroyable votre base. Une semaine, ouais, à peu près. Ah ouais, quand même. On a arrêté la nuit, mais ouais, à peu près une semaine. Mais vous allez continuer encore à ajouter des protect ou... Je pense, oui, ajouter sur le côté... sur le côté là devant, là où il y a la lave, là où il y a la base. En tout cas, les amis, si vous souhaitez rejoindre une faction avec une base aussi grande et aussi investie dans le serveur, franchement, les gars, ça vaut le coup d'essayer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent sur notre serveur, ils sont toujours tout seuls et ils cherchent des factions.
Là, c'est l'occasion de rejoindre une faction qui recrute. En tout cas, merci la Wanted pour votre petite présentation de faction. Et je sais pas si vous avez un petit dernier mot avant qu'on clappe la fin. Non. Non. Non, ça va. Bon, en tout cas, merci à vous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je rappelle que le commentaire qui aura le plus de likes repartira avec 10 € de points boutique sur Warcraft. Merci à vous, les gars. Merci. C'est à toi. Bye bye.